Ok, alors, je suis Camille Leblanc-Vesnet et avec Chris Kalec, et aujourd'hui, on va vous montrer le muscle up qui ressemble juste à ça. Alors, pour commencer notre première drill, ici avec Chris Kalec, on va montrer ici comment avoir la false grip, qui en français serait... The false grip. La false grip. La fausse prise ici en français. Alors, j'ai demandé à Chris de faire un coup de karaté avec ses poignets sur les anneaux. Fait que ici, juste montrer, ici, l'anneau il est vraiment sur l'os du poignet, donc pas dans la main. OK? Et maintenant, il va enrouler ses doigts autour de lui. Comme on peut voir que c'est une prise qui n'est pas confortable. Est-ce que tu veux lever ton poignet pour montrer en haut? Fait que si on voit l'anneau, il passe vraiment par-dessus ses poignets. Puis ici, sa main est enroulée au complet autour des anneaux, avec les bras vers lui. Pour notre deuxième drill, Chris il va venir mettre ses pieds en dessous des anneaux. Il va laisser ses genoux tomber à l'avant, puis étirer ses bras au complet avec son corps à l'arrière. Puis il va juste venir monter en allant toucher son sternum aux anneaux. Fait que je veux juste que tu tires, va toucher ton sternum et redescends. Ça va être notre première drill. Tu vas m'en faire un autre. Fait que tu vas juste tirer avec ses bras jusqu'au sternum et on redescend. Les pieds sont en dessous pour nous aider si on n'a pas la force nécessaire à le faire pour l'instant. Mais vu qu'ici, Chris est bon, on voit qu'il ne s'aide pas de ses pieds et c'est vraiment la force. Notre deuxième drill qu'on va faire, troisième maintenant, la troisième chose qu'on va faire ici, après avoir amené les anneaux à notre sternum, Chris, il va penser à déchirer son T-shirt comme Hulk Hogan. Fait que si Chris va faire comme Hulk Hogan, il va déchirer son T-shirt, il va tomber les épaules par en avant, par-dessus les anneaux. Fait que si on monte jusqu'au sternum et on tombe les épaules en avant, en contrôle avec les anneaux. Fait qu'ici, Chris, il pousse pas, il fait rien, on arrête ici. Et on relaxe. Monte-en un autre. Fait que si on tire à notre sternum, bien important, on déchire le chandail. Ici, on est en contrôle. Ici, on voit que les coudes sont en arrière, en ligne. Montre les coudes ouverts. Les coudes ne sont pas ouverts comme ça. Les coudes, ils sont en arrière. Donc, on garde les anneaux proches de notre centre de gravité. Et c'est bon, tu relaxes. Et maintenant, la dernière partie qu'on va faire ici avec Chris, après être rendu ici, avoir arrêté, on va tout simplement compléter le dip. Hein? Et on complète le dip. Fait que maintenant, pour le faire plus dur, on peut soit monter les anneaux ou ici changer notre position des pieds en dessous des anneaux. Fait que j'ai demandé à Chris de venir mettre ses pieds plus en avant avec encore une fois les genoux qui tombent à l'avant. Fait qu'on voit ici qu'il y a moins d'aide avec ses pieds. Fait que la même chose, va tirer à son sternum, déchire son chandail et fait le dip. OK. Fait que ici, une chose très importante, dans le fond, quand on pratique le muscle-up, c'est bien sûr comme l'attraper, si on veut, des anneaux quand on est en position de support. La plupart des gens, ils ont de la misère à trouver cette position-là, puis qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est les épaules yo, puis c'est là qu'on voit des petites catastrophes. Fait que Chris, il va monter en position de support. Je m'assure qu'il est en contrôle. Je m'enlève, puis il tombe en petite boule. Remonte, fais-le plus rapide. Ici, rapide en petite boule. Puis on va tout de suite chercher cette position de support-là. Montre une dernière fois. Ici, en petite boule, c'est notre attrapé de notre muscle-up. Tu peux relaxer. Fait que maintenant, je vais demander à Chris de faire une dernière fois à partir d'en bas. On va monter son dip, puis après on va tomber en support. Monte son dip et on tombe en support pour pratiquer ici. Good. Good. Maintenant, avec Chris, quand il va être assez fort, avec les anneaux montés, on va pouvoir aller aux vrais anneaux. Est-ce que tu vas en montrer un? Puis, on va commencer par faire un strict avant de commencer. Un, dans le fond, en force, avant d'ajouter du mouvement à l'intérieur. Fait que c'est vraiment le sternum, les coudes en arrière, et on monte en haut. Good. Excellent. Maintenant, quand on veut ajouter un, dans le fond, du mouvement, on a déjà vu les keeping pull-up. Dans le muscle-up, c'est la même chose qu'un keeping pull-up. C'est la même initiation avec les épaules et tout. On monte les genoux, puis au lieu d'aller chercher ici avec la barre, c'est la même chose qu'on va chercher ici avec les anneaux. Fait que Chris va nous en montrer un. Vous pourrez vraiment voir la relation avec les pull-up. Ici, et hop. Un autre. Si on ouvre les épaules, les genoux, et hop. Excellent. Et relax.
Good. C'était le muscle up.